Et bonjour à toutes et à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo sur No One Survive. Comme vous avez pu le voir, je fais déjà une coop avec Mao. Là, je vais totalement être en solo. J'ai créé un nouveau perso. Et oui, c'est Maude pour les personnes qui suivent actuellement Project Zomboid. On retrouve Maude ici aussi. Et c'est parti, je confirme. On va se faire une nouvelle partie et on va faire la survie. Hop, deux modes. On va pas partir en loisir, on va partir en catastrophe. Coffret cadeau de novice, on va le désactiver. C'est tous les équipements de départ. Je ne veux pas, je veux me compliquer un petit peu la tâche. On va laisser les hordes tous les 7 jours. On va voir ce qu'on va réussir à faire comme ça. Et je confirme, c'est parti. Alors. Tout ça, on l'a déjà lu en coopération. Je vous laisserai mettre pause pour le lire éventuellement. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. J'espère qu'on va avoir un bon spawn. Et on a exactement le même qu'avec la partie en coop. Donc on y va de suite, on récupère quelques petits cailloux. Et ce qui serait bien, c'est qu'on trouve déjà des vêtements assez rapidement. Éviter de voir son postérieur. On va faire. Crafter la hache en pierre de suite. Allez. On va faire la lance en bois aussi. Voilà. Et puis, pour l'instant, ça doit être tout. L'arc, on va voir pour se faire un arc aussi. Alors, je vais juste faire. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on peut pas se choper déjà un petit peu de tissu? Il y en a logiquement. Bah, j'ai passé les arbustes, évidemment. On a ici, on va en récupérer maintenant. Hop, on a 5 tissus. De quoi se faire un arc? Hop, alors. L'arc en bois. Et on va se faire quelques flèches aussi. Il va nous falloir de la pierre et des bâtons. Hop, des flèches. Alors ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait toujours pas de. On puisse pas changer d'en faire plusieurs à la fois. Bah, on va faire ça comme ça, c'est pas bien grave de toute façon. Non, c'est pas comme ça, c'était comme ça. Mais on peut pas les tourner. Hop, très bien, on va faire comme ça. Hop, on va reprendre quelques pierres encore. Hop, vite, vite, vite. On a des bâtons encore, il nous en reste 3, on va ramasser quelques-uns encore. Là-dessus. Et là-dessus, je suis... Non, 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 ça ne marche pas. Il y a sur les... Voilà, sur les petits arbustes là-bas. Au petit lapin. Là, ça ne nous en donne pas. Je veux des bâtons. Ah, parce que j'ai plus de place. J'en ai déjà 5. Vite, des flèches en pierre tout de suite. Il y a deux bâtons en sol. On va essayer de faire deux stacks de flèches. Ce serait pas mal. Allez, ça va faire 5 déjà. Hop, on va refaire 3. Normalement, quand c'est au sol. Non, on ne peut pas, évidemment. Il faut le ramasser pour crafter. Ok. Ça, je vais en avoir assez. Allez, 8 flèches. On a de quoi faire déjà. On va aller voir là-bas. Et l'arc, je l'ai créé. Je l'ai laissé par terre. Alors maintenant, pour le retrouver. Essayer d'en refaire un, tant pis, j'ai de quoi faire. Hop, on recommence. Arc en bois, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Allez, dépêche-toi.
Ok, donc là, il est ici. On va essayer de le mettre là. Et ça, on va essayer de la mettre là. Parfait. Et non, c'est pas le même spawn qu'avec la partie. Ah si, c'est le même, j'ai rien dit. Donc logiquement, on doit être ici, voilà, c'est ça. Et là, ce qu'on va faire, on va pas prendre la même direction que la partie en coop. On est parti s'installer dans ce coin-là, nous, en coopération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre carrément dans le sud et voir cette ville, éventuellement, si on peut se poser pas très très loin. L'idéal serait quand même par là, comme ça, on est à peu près en moitié de la map. Et là, on va suivre la route, on va looter ici, on va suivre la route, on va looter ici ensuite. En espérant trouver déjà deux, trois petits trucs intéressants. Allez, ce qui serait bien, c'est de trouver des vêtements, un pantalon, déjà. Un pantalon, ça serait bien. C'est pas trop demandé? Trouve-moi un petit pantalon. On va la prendre. Un sac à dos aussi. Un sac à dos serait bienvenu. Dans les coffres, des fois. C'est ça un instrument pharmaceutique. Non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu fais là? Partie délicate. Ouais, bah alors là, c'est le bordel là-dedans. Faire ça comme ça. Et comme ça, on peut rien prendre de plus. Ça, si je le mets, je vais pouvoir le mettre comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que ça, tu vas me le poser ici. Le caillou là. Ça, là, hop. Et ça, tu peux me le prendre. Voilà. Et donne-moi un sac à dos, s'il te plaît. Bâton, coton pour l'instant, non merci. Là, il n'y a rien. Ah, là-haut. Et c'est le même. Il pleut, elle va choper un rhume, elle. Là, on n'a rien du tout. Oh, des lapins qui se baladent un peu partout. Là, je ne peux pas fouiller. Le niveau moteur, je m'en fiche un petit peu. Magazine, mentalité plus 10. Allez, prends-le. Hop. Là, on n'a rien. Ouvert, ouvert. Pardon. Allez, il sort de là. Il n'y a rien. Non plus, il va falloir que je trouve des trucs quand même parce que là je ne trouve rien d'intéressant. Un tracteur, ok. On va aller fouiller dans les maisons un peu plus haut là-bas. Et après, on va se diriger vers le sud. Ça serait bien de lui cacher les fesses à elle un peu quand même. Vite. Condensateur, non merci, j'ai pas de place. Sac à dos. Y'a rien. Oh, une MP7. Je ne peux pas la prendre, dommage. Je peux la prendre ici. Après ça, je peux le mettre là, mais ma lance, je ne peux pas la prendre. Va falloir que je fasse un choix. J'ai rien pour me défendre si je prends pas l'aspire. Au pire, on reviendra de toute façon. Après, sait-on jamais si on trouve un sac à dos. Allez, en coop, j'en ai trouvé un ici. On en trouver un aussi là, non? Il y a un zombie là-bas à gauche, on l'a vu. Ah bah tiens, hop, équipement. Ça c'est fait, on va vite récupérer la MP7. Et on la fout là-dedans. Par contre, je cours beaucoup moins vite.
Il faut mourir. Alors? Alors, normalement, récupérer flèche en pierre. Est-ce que je peux récupérer juste mes flèches avant de faire récupérer le cadavre? Voilà, parce que sinon tout disparaît. Ça ralentit énormément le sac à dos. Allez, à manger maintenant. Bah tiens, hop, il suffisait de demander. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? Rien du tout. Rien du tout. Faudrait une bouteille d'eau maintenant. Allez, tu m'as donné tout ce que je demandais à chaque fois. Du charbon, on prend. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. De toute façon, on a de la place. Allez, hop, à manger. Là, il n'y a rien ici. Du charbon, allons-y. Pour le feu de camp, je pense, logiquement. Ça, c'est déjà fouillé. Ah ouais, elle court pas vite du tout. Hein. Et ça, graines de fraises, graines de blé, allons-y. Là-dedans, il n'y a rien. Et dans ce... Pourquoi tu veux pas passer ici, toi? Partie délicate, pièce de voiture, allons-y. On sait jamais si on peut revendre, de toute façon on a de la place. Autant en profiter. Ça c'est de l'argile je crois, il nous faut une pioche pour le farmer. Allez, il faut des vêtements. On peut pas fouiller. Bonjour. On n'a rien, on n'a pas de chance pour les vêtements. Ah bah tiens, un bonnet. Hop, équipe-moi ça. Bah t'es belle comme ça, tiens. Des cartouches de fusil à pompe. Hop, hop, ça je prends. Alors ça c'est quoi? Munitions de 5,56 et ça c'est du 9 mm, d'accord. Il y a un zombie ici, on va essayer de l'éliminer par contre. Je trouve qu'il marche pas vite là par contre. Hein. Alors récupérer... Pourquoi j'ai des sortes de murs invisibles? C'est vraiment bizarre. Alors là-dedans, on va trouver notre bonheur. La dernière fois, en coop, on a trouvé plein de trucs, voilà, à manger. Hop. Il faut trouver à boire maintenant. Une bouteille, ça serait cool. Alors, je vois que le son, il est tout bas. Partie sonore, hop. Je comprends pas pourquoi il est baissé autant que ça. Voilà. Pièce simple, je prends. Alors, grosse batterie domestique. Pour l'instant, j'en aurais pas besoin. Une batterie sèche pour si on trouve une lampe torche. Petite de réparation, je prends ça aussi. Allez, allons-y, on prend de toute façon. J'enlèverai si on a besoin de place. Four électrique. Ok. Oh là là, bah, y a plein de trucs là. Équiper lampe d'épaule. Alors, pour allumer, c'est sur T. Mais alors, pour changer la pile... Alors, c'est là. Comment on fait pour changer la pile? Il y a un zombie juste devant. Alors, est-ce qu'il faut l'enlever comme ça? Voilà, charger. Hop. Impeccable. On aura de la lumière cette nuit. Ça, c'est bien.
Allez, hop, on prend tout. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh là. Non, faut pas que tu me touches comme ça. Normalement, je peux faire un bandage. C'est des sangles, ça s'appelle. Non, il me faut deux tissus. Très bien de trouver deux tissus. Faut pas me vider de mon sang tout de suite, quand même. Oh, une scar. Mais c'est magique, ça. Bah, une AK, bah, c'est quoi ce bordel? La MP7, on va la laisser par terre pour l'instant, mais faut absolument que je trouve du tissu. Je vais me vider de mon sang. Et bah une bouteille d'eau. Allez hop. Allez, donne-moi du tissu, s'il te plaît, ou un bandage. Du vin. J'en ai rien à faire de ton vin. Allez, vite. Pense pas en trouver ici. Vite, 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 vite. Il n'y a rien. C'est pas possible, on n'a pas de chance. Silencieux pour mitraillette. Je vais pas en avoir besoin tout de suite. Allez, on croise les doigts pour trouver un bandage ici. Hop, équiper le t-shirt. Au pire des cas, je crois. On va dire d'annerie. Si on enlève ça. Non, si on l'enlève. Pas comme ça. Non, clic droit, ça l'équipe aussi. Ok, je pensais pouvoir le déchirer. Il me faut peut-être un couteau ou quelque chose. De toute façon, je saigne plus pour l'instant, donc ça va. Là, tu vas me manger ça. 44 points de vie. Faut absolument que ça remonte. Et très très vite. Le stack là est full déjà. Lampe d'épaule, le pouvoir durabilité. On peut pas la prendre. On en a déjà une. Allez. Oui, il y a deux. Il y a deux. Ah oui, d'accord. Les deux tiroirs, logique. Munition de 7,62. Très intéressant. On va pouvoir tirer avec nos armes un petit peu. Des fraises. Tiens, mange-les. Ça, tu peux le mettre là. Et ça, tu peux le prendre là-haut. Un petit pantalon. Est-ce que ça serait trop demandé, un petit pantalon? De l'alcool. Pantalon, chaussures. Ça ne serait pas du luxe. Alors là, il n'y a rien.
On va faire, est-ce que je peux équiper ça? Non, je ne peux pas équiper ça. Et ça, je peux l'équiper ici? Non, je ne peux pas non plus. Et lui, je suppose que non plus. Ok. Alors, là, on va continuer. Hop, on va descendre tout ça et on va là-bas. Ça va être très long. Surtout que le cours est à 2 à l'heure. Il me faut un pantalon, plus vite possible. Un pantalon. Dommage, les tissus, il m'en faudrait que deux. Faut absolument que j'en trouve. Voilà, donc on arrive à l'endroit que je voulais looter, que je voulais vérifier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? Il y a l'air d'y avoir des granges. Là, il y a un barbelé, je ne peux pas passer. Ici. On va juste allumer la lampe torche. Quand même. Beaucoup de graines. Que je ne peux pas prendre. Il y a énormément de graines. Engrais, pommes de terre. Ce qui serait vraiment pas mal, c'est d'en prendre un petit peu quand même. Barre énergie. Ça, à la limite. C'est pas grave. Enfin, j'espère que c'est pas grave. Toi, tu vas manger la carotte. On va mettre ça ici et on va prendre un petit peu d'engrais quand même. Solution nutritive. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est rempli de graines là? Je ne peux pas fouiller ici. C'est quoi? Oh, il y a plein de minerais. Argile, salpêtre, charbon, briques. Minerais d'aluminium. Je ne peux pas prendre tout ça. Baril, un moteur fil électrique. Non. Caoutchouc, ciment. Je peux pas trouver des tissus. Graines de coton. Il y a plein de graines. Charbon. Charbon, on en fait facilement de mémoire. On en avait beaucoup en coop. Je prends les graines, je sais même pas ce que je prends. D'herbe. On fait quoi avec de l'herbe? Il n'est que 22h. La nuit va être très longue. Graines de coton, concombre, pommes de terre, concombre, pommes de terre. Ça aurait été bien de pouvoir les prendre par contre. Allez, on enlève ça. Coton aussi. Ok, je suis déjà plein. De toute façon, c'est un par slot. Ok, donc je peux plus rien prendre. Oh, il y a de la nourriture là. Tomate, mange-la. On va refaire le plein de nourriture. On va tout manger. Avant de reprendre la route, hop, mange ça. Après, une petite orange là. Hop. Pour remonter la vie, parce qu'elle remonte pas. Hein. Et la soif aussi. Une pêche. C'est bon ça. Voilà. Et là, on n'a rien. Il y a tellement d'hangars à fouiller ici, mais mon sac est plein. Bon, c'est pas ici qu'on va trouver des vêtements, donc je vais pas trop m'attarder. Ouais, c'est plus de la nourriture et tout ça ici. Ça aurait été bien d'en prendre un petit peu quand même. Boîte à outils, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ah, si, à déverrouiller certaines choses. On avait vu ici en technologie... Il fallait des... Ouais, mais... Ah, ça m'embête. J'en ai deux, de toute façon, j'en ai pas besoin de deux. On va prendre ça. On va prendre du pain. On va prendre une tomate. Du porc cru, non. Et ça, on peut pas prendre. Hop, là, tu fais ça, tu peux prendre l'orange. Voilà, et on prend la route comme ça. C'est déjà très, très bien. On reviendra fouiller ici. Oh, il y a de la... Pourquoi c'est allumé, là? Je peux pas fouiller le coffre? C'est ma lampe qui fait ça?
Ah oui. Du vin. On peut éteindre la lampe, on voit bien. Non, vous m'avez pas vu. Il y en a tellement ici. Allez. On continue. Oh, il tape la barrière. Bah, tape la barrière. Voilà, c'est ça. On continue et on va vers la ville. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas énormément de zombies. On n'a pas vraiment de quoi se défendre là. Oh, avec le petit lac, c'est sympa là. Il y a plein de bruit autour. On n'est pas loin de la ville. Oh, c'est quoi ça? C'est un crash d'avion? On dirait vraiment un crash d'avion, c'est bizarre. Après, pourquoi pas se poser ici? On est à côté de la ville. On pourrait trouver un véhicule pour aller fouiller. Avec un peu de chance, il y a peut-être déjà des coffres dans les 2-3 petites cabanes qu'il y a là. On pourra boire ici. Allez, prends ta petite douche. Là. Et bois de l'eau. J'espère que tu vas pas choper le moustique là. Encore. Hop là, t'es à 100. Oh, je perds de la vie. 44. Ouais, ça devrait le faire. Il faut un truc qui traite le paludisme. Oh, j'avais une bouteille en plus. Mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Un générateur. On pourrait être pas mal ici. Pour commencer, pour avoir un pied à terre, ça pourrait être sympa. Crois qu'il n'y a plus de piles déjà. Je l'ai pas allumé longtemps. Mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Ouais, on va. Est-ce qu'on peut détruire ça après? Je ne sais même pas. Sinon. Ou alors on agrandit là? Là? On agrandit ici et on fait une entrée là-dedans? Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il fallait déjà pour débloquer un. Déverrouiller le coffre? On va prendre le coffre. Alors, les coffres. Les étagères, pour l'instant, ça, on s'en fiche. Il fallait faire ça, absolument. Il faut un bois et trois pierres. Il faut que je pose des trucs par terre. Hop, tu vas me poser ça. J'avais trouvé ça aussi. Allez, vite, on va apprendre. De quoi se fabriquer déjà la table? Hop. Alors normalement ça disparaît pas. Quand on laisse au sol, on va essayer de. J'espère. On va essayer de faire vite. Un bois et trois pierres. Les pierres, ça va être compliqué à trouver apparemment ici. Une ici. Ouais, au pire, on peut se faire une pioche. J'ai vu qu'il y en avait en bas. Tu veux pas me casser ça? Hop, on peut en prendre. On peut en prendre deux, même trois. Voilà, et il me faut un petit peu de pierre.
Il y en a une ici, il y en a une là. Hop, alors on la prend directement. Confirmé, et on va essayer de la placer. Alors pour la faire, par contre. Il faut le marteau, voilà, c'est ça, le marteau. Par marteau, il faut un bois de mémoire. Marteau de chantier, voilà, un bois seulement. Et dépêche-toi vite. Hop, 4. Alors, c'était sur... c'était sur quelle touche déjà? Parce que les positions annulées... Alors c'était pas là, bah alors, appuie longuement pour démolir, annuler, activer, désactiver la capture, basculer, ouvrir ou fermer le menu de construction, voilà c'est ça, clic molette, c'était dans synthèse, c'était ici. Pour l'instant on va juste se le mettre là, hop, et il nous fallait 3 bois, une boîte à outils. Y a un élément empêchant. Bah oui, je suis dessus. Donc 5 pierres et 2 bois. Une pierre ici. Une pierre là. Une là. Ah, je pensais que c'était une pierre, ça. Mais apparemment pas. On ira looter ça aussi après. Alors on a dit 5 pierres et 2 bois. On va prendre le bois déjà. Et puis on va... tant pis, on va se faire une pioche. Hein. On va gagner notre temps. Hein. Pioche, il me faut un bâton. Le bâton, il est au sol. Hop, mets-moi ça par terre. Hop, hop, pioche, 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 pioche. Hop, et tu récupères le bâton. Le bout de bois, pardon. Là, tu peux pas me le mettre... Tu peux pas me le mettre là? Tu veux pas le prendre du tout, en fait. Non. Maintenant ici. Voilà. L'arc là, non. À l'inverse, on va faire comme ça. Et ça. Là et ça. Tu peux pas me mettre là. Ok, on va faire comme ça. C'est pas grave. Hop, 2. Au moins il fait jour. Allez, vite. Voilà, on a beaucoup de pierres. Là, on a de quoi le faire. Hop, abattre, presse, réparation, retirer, ttt. Alors, utilisation. Compétences. Ici, on avait vu... Alors là, c'était pour les planches. Les planches, il nous faut un bois. On peut l'apprendre. Voilà, ça c'est fait. Le four. Il nous faut 5 argiles. Et là, c'était couteau en fer. Et il nous faut un lingot de fer. Je ne sais plus comment j'avais fait... Ah, c'est ça, exact, je me souviens, ça y est. Clic molette, meuble. Boîte en bois. On va se faire un coffre là-dedans.
On peut pas fabriquer là-dessus. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire à côté pour l'instant. Hop. Et là, il nous faut un matériau, des pièces simples et 5 planches. Des pièces 5 et 5 planches. Des pièces simples et 5 planches. Les pièces simples. On avait tout à l'heure. Là, j'en ai plus. Et les planches, pour le, je les ai apprises. Et c'est à faire là-dedans avec du bois. Hop. Alors, les planches là. Il faut que j'aille chercher du bois. Ça pose-moi ça par terre. Le caillou pour l'instant aussi. Là, j'ai pas de balles. Je n'ai pas de balles. Il y avait de la pierre là encore. Donc à faire, on va la récupérer. La hache, elle va bientôt casser. Et la hache a cassé. Hache. Un bâton. Oh non, j'avais jeté des bâtons tout à l'heure. Il y en a un là. Il y en a ici. On va juste faire ça. Pour pouvoir le prendre le bâton là. Parce que juste pour ça on peut pas le prendre. Voilà. Hop. Hache. À l'âge de pierre c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'il faut se presser d'atteindre l'âge de fer. Ok. Donc ça c'est fait. Reprendre. Non, je peux pas reprendre. Ok. On va lancer les planches tout de suite. Hop. On va faire ça. On va même mettre ça dedans. On va aller en chercher d'autres encore. Et puis, on va faire comme j'avais fait en coop. On va se servir de la table comme stockage pour l'instant. On va mettre nos armes et tout ça dedans. On va se vider un petit peu dedans aussi. Hop, et on va en fabriquer 6. Ça fera 3, 4, 4, 4. On va faire 4. Voilà, ce qu'on va faire, hop, ça dedans. Et ça, dedans aussi. Fabrication d'armes, la maîtrise de compétences augmente. Ah bon? Compétences? Fabrication d'armes. Nickel. Bah écoute. Oh, je fais des marteaux. J'ai pas sélectionné les planches. J'ai sélectionné des marteaux. Oh le bourri. Il y a je sais pas combien de marteaux par terre maintenant. Ouais non, je peux pas les détruire. Oh le nul. C'est pas possible. Quatre planches, il va me manquer une et une pièce. Ce qu'on va faire, on va continuer de se vider un petit peu juste avant de ramasser quelques bois encore. Hop, pour les poser là-dedans. Voilà, et relancer encore des planches, sans me tromper cette fois. Le gun. Le gun, on peut le laisser là. Voilà. Les graines, je n'ai vraiment pas besoin actuellement. Ça non plus, l'engrais non plus. Mécanique, la maîtrise. Ok, d'accord. Vas-y, augmente-moi tout ça. Ça, on va le garder sur nous. Fabrication et construction de serre. Alors ça, je ne sais plus s'il faut le lire ou pas. Je ne sais pas encore à quoi ça sert.
Toutes les munitions, on peut les laisser là. La nourriture, il y en a un petit peu de trop. Hop, hop, hop. La bouteille, on va la laisser ici. À portée de main. Munitions. Mécanique, la maîtrise de compétences a augmenté, ok. Allez, on va aller voir vite fait au village d'à côté. C'est une lance qu'il faut que je refasse tout de suite. Hop, fabriquer une lance. Et il tombe un déluge. Il tombe un déluge. On va même en faire une autre lance. Est-ce qu'on peut l'équiper là? Non, toujours pas. Ok, ça toujours pas. Ok, c'est pas grave. Voilà, on va laisser ça là. Et on va intervertir les deux. Oh! Oh l'orage! C'est l'apocalypse, ça je récupère le charbon aussi, la brique aussi. Je suis à côté donc ça va. Oh, ça peut être intéressant là-dedans, non? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, rien, c'est très intéressant. Rempli de rien. Ah ouais, c'est rempli de rien, mais alors vraiment rempli. Rempli de vide, c'est incroyable. Ah, un marteau en fer. Eh ben écoutez, on va le remplacer avec lui et lui par terre. Hop, toi par terre aussi. Pétrole, on prend tout ça, le minerai, hop, on prend ça aussi. Kit de formation sur l'acier, on prend. Je crois qu'on pouvait le mettre là et puis le lire ou un truc comme ça, je sais plus comment j'ai fait en coop. Je suis encore en pleine découverte. Oh, du tissu. Ça, c'est super. Ça, c'est bizarre, les structures ici. Ouais, c'est vraiment bizarre, on peut rien y faire. Bon là y a rien, on va retourner se vider là-bas. On va retourner à la base là. C'est vrai qu'on aille voir ici et ici. Il y a l'air d'y avoir plein de minerais. On n'a pas fini de fouiller en face aussi. On a trouvé un bandage, ok. On peut continuer à avancer. Le bruit de l'orage est terrifiant, il est vraiment très bien fait. Il nous manque une planche et une pièce simple ici. Ah, je vais plus avoir de place là. Les pierres, pour l'instant, ça vaut pas le coup d'en avoir autant que ça. De toute façon, on pourra les récupérer ensuite. Hop, le pétrole, on le met là. On peut peut-être prendre. La planche qui est là. La mettre là-dedans, il nous manque juste une pièce simple.
Et voilà, on a très bien avancé déjà. Je vais arrêter cet épisode-là. Avec cet orage en plus, c'est terrifiant. Je vais faire en sorte de passer l'orage déjà. Et 5, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas détruire ça. Non, on peut pas détruire apparemment. Ouais, mais c'est considéré comme quoi? Blessure, rigidité, abattre, mutilation, rapidité, moins 7. C'est pas considéré comme un marteau de construction, celui-là. C'est considéré comme un marteau, une arme, quoi. Donc on va récupérer vite fait un marteau ici. Hop. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. J'espère vraiment que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez que je fasse une aventure en solo dessus, je n'arrêterai pas la partie en coop dessus. Mais vu que c'est un petit peu compliqué qu'on arrive à se capter avec Mahou pour faire la coop, et j'ai vu que ça vous plaisait quand même l'aventure, donc je me suis dit autant faire une aventure solo. J'espère que ça vous plaira tout autant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Devil. Ciao, ciao.